Salut les amis, on se retrouve sur un seul magnifique jeu. Donc c'est MM Simulator, bien sûr, si vous ne le saviez pas. On se retrouve sur ce magnifique jeu qui s'appelle Fishing Planet. Voilà. Donc c'est un jeu gratuit aussi, free to play. Plus ou moins en ligne. Ça m'avait vraiment plu, plus ou moins simulation de pêche. Ouais. Bah voilà. c'est vrai que ça fait un peu bizarre. Simulation de pêche, il y en a eu, je crois, quelques-uns. Mais celui-là est vraiment très joli. Donc, comme vous voyez, il y a un chat sur le côté. Donc, moi, je pars sur du. On voit sur F1, on a toutes les touches. Tac, tac, tac. Non, c'est F11. Donc, on va passer dans un autre mode parce que c'est pas le mode de base. Donc, hop, hop, on lance. Hop. Parce que d'habitude, en gros, on nous met pas comme ça. On a plusieurs vitesses de lancer. Voilà. De retour, plus ou moins. On peut même lâcher un peu de lest. Vraiment, on a vraiment. Ouais. En gros, on a vraiment un jeu qui est plutôt sympathique. Pour un jeu gratuit, c'est très sympa. Donc voilà. Après, j'espère qu'il va vous plaire. Moi franchement c'est vrai que quand j'ai vu une vidéo graphiquement il est très joli. Bon après il y a quelques textures sur les armes qui sont pas non plus extraordinaires hein. Voilà. Mais l'eau est vraiment splendide. Elle envoie du steak et voilà. Vraiment ça envoie. Parce que je trouve quand même que ce jeu ce jeu est vraiment vraiment très bien. Après on voit qu'on a un chat qui a beaucoup de choses, les gens y parlent et tout, c'est sympa. Verre fumé. Ok. Bon, ça a pas l'air de. Ah si, ça mord un peu. Donc comme vous voyez, on voit notre. Je sais plus comment on appelle ça. En gros un flotteur. Voilà, ça c'est un flotteur. C'est où la barre? Attendez, je calcule. Ben, je. Excusez-moi hein, pour le blanc, mais j'essaye un peu de lire ce qui est marqué. Parce qu'en gros, c'est vrai que moi, j'arrive pas à pêcher aussi des gros poissons. Bon, on va ramener la... là, en gros, je suis vraiment dans. Donc, comme vous voyez, donc c'est le clic gauche pour ramener et clic droit pour. Donc là aussi, on a une espèce de viseur qui nous permet de viser. En gros, là, on veut ramener là où on veut préciser. On veut mettre le flotteur et tout. Donc après on a un inventaire, ouais. Voilà, on a un inventaire avec tout ce qui va bien, donc les différents appâts, les fils de pêche, l'ovale, donc ils appellent ça l'ovale, moi j'appelle ça un flotteur. Les hameçons, donc il y a deux tailles là. Donc oui, il y a deux tailles. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre? C'est tout ce qu'on a là. Ouais, c'est tout ce qu'on a. Bon, tant pis. C'est pas très grave. Donc voilà. On a vraiment pas mal de choses. Donc on a un magasin aussi. Donc pour les poissons chats. Ouais.
Donc on a aussi donc un système de niveau en gros qui nous permet de savoir si voilà, non, c'est pas ce que je veux moi. Donc on a différentes cannes, hein. Différentes cannes, différents moulinets, les fils de pêche, les outils. Donc voilà. Mais après, je débloque à certains niveaux et moi je suis pas un très haut niveau comme vous voyez. Parce que en fait, ce jeu, c'est vrai que ça fait un bail que j'y ai pas joué et puis j'y joue pas beaucoup non plus. Attends, ah mais j'ai pas assez de sous et puis j'ai pas le niveau. Okay. Donc voilà, c'est vrai que si pour commencer déjà il faut pêcher beaucoup. Il faut pêcher vraiment beaucoup et vraiment en fait beaucoup voilà. Hein, faut vraiment pêcher beaucoup parce que sinon vous allez vous emmerder très vite, très vite, très vite. Donc voilà, après on a aussi notre pêche. Donc voilà, j'ai eu beaucoup de... C'est ce que j'ai attrapé déjà plusieurs fois en fait. Les plus gros, je crois que j'ai dû attraper ou un truc comme ça. Voilà. Donc là, on a les meilleurs. Top 10 des poissons, machin et tout, du coin et tout. Voilà. Après, on a... je sais pas trop quoi. Ouais, suivant. Suivant. Ok. Ok. Objet. Ouais, ok. Donc là. Voilà. Je vais essayer de vous faire un lancer, mais je vais changer de. Pour vous montrer un peu. Donc on fait comme ça. On fait glisser. Hop. Donc voilà, franchement, c'est vrai que ça, c'est un très bon jeu. Très très bon jeu, je sais plus comment. C'est quoi le frein déjà? C'est plus moi. Ouais. Moi, j'arrive pas à mettre moins, mais par contre, j'arrive à mettre plus. Ok, oui, je suis con en plus. Là aussi. Donc je sais pas si je suis à 2 mètres de profondeur pour voir par rapport à ce qu'ils m'ont dit. Donc j'espère que ça va vous plaire parce que franchement moi j'apprécie vraiment ce jeu. Donc on va voir si on arrive à pêcher quelque chose. Parce que moi franchement c'est vrai que ce jeu bah, il est plutôt sympathique. Ok. Ça fait que dalle. Donc voilà, après c'est vrai que... Donc j'espère franchement que ce jeu vous plaît, j'espère que je vais quand même attraper un petit poisson, même un petit je m'en fous, ça serait bien pour vous montrer un peu comment est le jeu, parce qu'en gros faut réfléchir un peu, sinon je vous ferai une petite coupure en gros le temps que j'attrape un poisson pour vous montrer, et après je vous mettrai ça à la suite pour... Que vous ayez un aperçu plus ou moins de ce que comment ça le fait. Voilà. Donc j'espère franchement que ça vous plaît. Voilà. C'est parce que c'est un jeu gratuit. Bon, faut se faire un compte et tout, ou on peut passer par Steam, je sais plus trop. Il me semble qu'il faut se faire un compte. Et après, on a vraiment accès à pas mal de choses, donc c'est gratuit, hein, pas cher. Et, il me semble qu'il est, il est plus ou moins lourd comme jeu, je crois qu'il fait 1 giga ou 2. Je sais plus trop, mais il est quand même un peu balèze. Excusez-moi. Donc il est un peu balèze comme jeu quand même, mais sans trop l'être, on va dire. Donc je vais essayer autrement. Donc quand on appuie sur le clic gauche, quand on appuie sur le clic droit de la souris, on a le viseur. Quand on appuie, non, ah oui, ça je vous l'ai déjà montré, je suis con.
Quand on appuie sur le clic droit, quand c'est comme ça, on tire la canne. Et quand on est sur le clic gauche, on rembobine la canne ou pas. Ça dépend en fait des petits traits en fait. En gros, quand j'utilise la molette, soit là en gros, je vais laisser du mou. Et là, je vais rembobiner très vite en fait. C'est ça le truc. Donc là, je crois qu'il y a un poisson qui est en train d'essayer de mordiller un peu. Donc espérons que ça va marcher. Voilà. Allez! Allez! Mordi bien. Dedans, allez, accroche-toi. Bon. Bon, façon. Là, non, je crois que c'est bon. Hein. De toute façon, on m'a pas dit que c'était trop tôt. J'ai rien du tout. Tu te foutrais pas un peu de ma gueule? Donc voilà, après, par exemple, ce mode de lancer n'est pas activé à la base. Donc il faut appuyer sur F11 pour l'activer. Et après, vous aurez le même mode de lancer que moi. Et donc vous avez toutes les commandes ici. Comme vous voyez en F11, on a les modes de lancer. On a cassé la ligne, mais bon, ça sert pas à grand chose. On a les aides sur F1, donc cette page-là. Oh, pardon. Ah oui, fait un défilé du chat. Ouais, ok. Après aussi, voilà, on a toutes les trucs dessus. C'est vraiment sympathique. Donc j'espère franchement que cette vidéo vous a plu. Je l'ai pas, je vais pas encore finir parce que je pense que là je vais vous couper à partir d'ici et on se reprendra au moment où j'aurai un poisson. Donc voilà. Donc je vous dis à tout de suite pour la suite. Bon, voilà, on est de retour. Visiblement, on a du poisson là cette fois. Bon, ça a été plutôt rapide, hein. Ça va être un petit poisson, je suppose. J'ai jamais eu encore de gros poissons. Ouais, c'est un tout petit poisson. Donc, ah non, c'est un jeune ar... Ah, c'est la première fois que je l'ai celui-là, je crois. Sans limitation. Ouais, ok. Donc, comme vous avez pu voir, j'ai attrapé un poisson. Ça fait vraiment le gros plaisir, ça. Franchement, voilà, j'ai réussi vraiment à pêcher un poisson. Ça me fait vraiment plaisir. Bon, j'espère que ça vous a plu parce que moi, franchement, j'ai vraiment adoré ce jeu. Franchement, il est très bien, très très bien. Très joli, à part les arbres qui sont vraiment un peu dégueulasses. Et pourtant, je suis en maximum de partout. Donc voilà. Donc voilà. J'espère que ça vous a plu. Moi, franchement, j'ai pris un pied monstre à vous faire cette vidéo. Donc j'espère que ça vous plaît. J'espère que. Et puis de toute façon, si ça vous plaît pas, n'hésitez pas à me dire ce qui vous plaît pas dans les commentaires. Parce qu'en gros, je fais quand même des jeux assez variés, assez qui bougent tout le temps. C'est pas toujours les mêmes. Voilà. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Voilà. Donc je vous dis à la prochaine. Ciao!